Dominique Ficot, je suis né au Sénégal en 1958. Ensuite, après l'indépendance du Sénégal, mes parents sont. Je suis fils de fonctionnaires de l'État français. Et après l'indépendance, donc 2 ans après, on est rentré en France. Et là, j'ai vécu dans la banlieue de Toulouse, à Saint-Martin-du-Touche. Et là, on y est resté 6 ans. Mes parents recherchaient à repartir vers des pays chauds. Donc là, on a vécu à la Martinique. Là, on y est resté 4 ans, de 69 à 73. Et ensuite, on a cherché à rentrer en métropole. Or, le climat social était très particulier. Hein. 69-73, c'est oreilles dehors, donc tout le monde doit partir. Enfin, les Blancs, on ne sont plus les bienvenus. Donc là, c'est un mauvais vécu de mes parents et de moi-même. Et donc là, on repart. Et là, pareil, mes parents avaient bien aimé le sud de la France. Ils ne sont pas originaires du sud de la France. Et là, on est revenu dans la région de Toulouse. Et là, j'ai fait mes études secondaires et l'université. Dès que là, j'ai passé un CAPES. Je suis professeur d'éducation physique et sportive. Et dès que j'ai eu mon CAPES, j'ai demandé à partir. Et là, départ vers La Réunion et arrivé à La Réunion en 1982. J'ai fait toute ma carrière à La Réunion. Aujourd'hui, retraité de l'éducation nationale, présent ici. Voilà. Alors, moi, j'ai eu tout le temps de dire qu'on a toujours été artiste, c'est un peu compliqué, mais j'ai toujours eu la possibilité de m'exprimer autrement que par la parole ou par l'écrit. Or, une grande timidité, mais un univers onirique très important, et puis construction d'histoire, voilà. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus tard, je m'en suis rendu compte. En fait, je parle beaucoup, et je pense que ces origines-là viennent de mes origines africaines, tout bêtement. Je pense que c'est la palabre et le goût de la palabre. Et peut-être aussi là, le plaisir d'avoir vécu dans le sud-ouest, c'est aussi ça, le plaisir de parler. Alors, pas forcément pour dire des choses qui ont de l'importance, mais la parole a de l'importance en tant que telle. Et du coup, toutes ces histoires, ben, ça m'a construit, je pense, et c'est resté avec moi. Et dès que j'ai pu faire quelque chose, mes parents m'ont laissé tout l'espace possible et imaginable. Du coup, j'avais un univers autour de moi, autour de ma vie, où il y a toujours eu la place à l'expression, et surtout plastique. N'étant pas très à l'aise avec les autres, c'était pas facile de parler, sauf en milieu de confiance. Donc, du coup, j'ai eu tout de suite une production. Donc, très très tôt, la couleur, les objets, les sons, les senteurs, les goûts. Et donc j'ai commencé à, on pourrait dire que j'ai commencé à avoir conscience de ces univers-là très tôt, dès l'école primaire. Je pense que j'avais déjà des choses à dire et des choses à faire, donc des réalisations, petits objets, etc. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un milieu familial très, je dirais, cultivé, très curieux. Mon père écoutait Bartok à l'époque. Ma mère est parisienne d'origine et donc connaissait toutes les opérettes, toutes les chansons. Mais mon père a vécu la guerre à Paris en tant qu'étudiant. Et donc le jazz, voilà. Et au niveau de la peinture, il fréquentait les musées, fréquentait la poésie, sont des gros lecteurs.
Donc moi, j'ai toujours vécu dans un univers cultivé au sens large du terme, et pas de frontières, ni avec aussi bien du classique que du jazz que de la chanson populaire. Donc il n'y avait pas de limite là-dessus. Au niveau des pratiques, mes parents ne sont pas. Enfin, j'ai jamais vu en tout cas écrire ni produire des œuvres ou des choses qui seraient du domaine culturel, artistique. Même si mon père dessinait un petit peu, mais eux ont toujours été curieux. Et donc du coup, dès que j'ai pu, moi j'ai fait des choses. Alors, quand je dis ça, mes parents, ma mère, elle est comment? Cou, tricote, crochette. Alors c'est pas neutre parce que ce sont des choses sur lesquelles moi je suis revenu. Donc chez moi aussi, tout ce qui était activité. Enfin, à la maison, les rôles, mon père faisait des tapis, ma mère, voilà, les deux cuisinent, les deux font le ménage, les deux. Donc c'est un milieu où le rôle de la femme et de l'homme ne sont pas déterminés a priori, plutôt en avance par rapport au milieu social de l'époque, y compris dans le milieu enseignant. Enfin, eux n'étaient pas enseignants, hein, ils étaient administratifs. Moi, j'ai jamais appelé mon père ni ma mère papa-maman. Je les ai toujours appelés Michel et Arlette. Donc ça aussi, particulier. Il y a des mots que je n'emploie pas, que je n'ai jamais employés. Du coup, c'est un espace de liberté réelle, vraiment de liberté. Alors, des moyens, il y en avait, mais c'était plutôt pour eux faire la fête. Et pour moi, ne pas demander de choses particulières au niveau de la peinture, tout ça. Et du coup, je me suis toujours débrouillé un petit peu avec ce qui était autour de moi. Alors, il y avait il y a des matériaux, il y a eu de la laine, du fil, des tapis, des photos. Et puis de la peinture, plutôt de la peinture de bâtiment. Voilà, donc plein de matières et de matériaux qui étaient autour de moi. Ensuite, à partir de là, donc ça va créer. J'ai pas de médium spécifique. Je veux dire, moi, j'ai pas de difficulté à dire que je fais je fais de la couture ou voilà, j'ai pas de problème avec ça. Au fur et à mesure, quand j'ai pu, j'étais attiré évidemment par des étoffes plus belles, de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, enfin des choses qui étaient plus rares. Et donc dès que j'ai pu, je me suis occupé un petit peu de ça. Pendant tout le primaire, le collège, j'ai toujours fait des choses. Il y a toujours eu. Ma chambre était un vrai bordel, au sens occupation de l'espace. Et quand je dis que c'était très bordélique, les choses étaient rangées, je savais où c'était, mais il y avait beaucoup de choses. Et ça occupait réellement tout l'espace. Je suspendais des choses au plafond, le sol était couvert d'objets et de dessins, etc. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans mon espace, enfin l'espace chambre, sans se coller des choses aux pieds, sans être gêné par des suspensions. Et ça tournait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui restait. Je veux dire, il y avait une installation et ça a rechangé. À l'époque, je ne savais pas que ça existait. Hein, donc, je vivais là-dedans et c'était ça. Donc, je faisais aussi plein de petits objets. Comme je n'avais pas la possibilité de faire des choses qui étaient pérennes, bon, ben, c'était la pâte à modeler, c'était un peu la terre, je récupérais les boutons, je récupérais des plumes, voilà, enfin tout ce qui pouvait traîner. Des coquillages, parce qu'aux Antilles, il y avait aussi cet aspect-là. Toujours pareil, très attiré par le nombre, la quantité. Et tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc, très curieux de l'artisanat, de tout ça. Mais
disons que l'artisanat, c'était des choses qui m'intéressaient, mais qui ne me, enfin, dans lesquelles je ne m'exprimais pas. Il y avait peut-être une nécessité d'efficacité qui ne correspondait pas trop à ce que je voulais faire. Donc là, de ce côté-là, ça, enfin voilà, jusqu'à la fin du collège, c'était plein de choses, mais beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, mais pas de, voilà, pas de volonté particulière d'en faire quelque chose. On rentre en France en 1974, et là, ça change un petit peu. Là, je change complètement. Là, c'est le coup de matraque. Je n'avais pas appris à beaucoup travailler, à avoir des résultats très bien, très bons. Donc ça, aux Antilles, il n'y avait pas besoin de travailler énormément pour pouvoir réussir. Donc les études et tout ça, j'étais dans un milieu où il y avait des enseignants, mais je ne me projetais pas dans une réalisation particulière d'un métier particulier. Je savais comment ça fonctionnait, mais voilà, c'était plutôt une ambiance plutôt qu'une réalité. Donc là, j'arrive à Toulouse et là, tout de suite, je rentre au lycée Pierre de Fermat. Et le lycée Pierre de Fermat, dans le sud-ouest, c'est le lycée bourgeois de Toulouse. Ce sont les grandes préparations aux grandes écoles, etc. Donc là, je me confronte à complètement un autre milieu. Il faut se mettre au travail. C'est pas que je travaillais pas, mais je veux dire, c'était pas du tout la même nature de travail. Moi, j'étais avec chemise à fleurs et petit sac. Et là, à l'époque, c'est attaché caisse et puis petit costume bien ajusté. Et là, ça me fait le choc est assez violent. Donc, il me faut un an pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je suis crevé. Et puis après, je rentre, alors pas forcément dans le moule, parce que c'est pas. J'apprendrai après, enfin, au fur et à mesure que à Toulouse, justement, ce sont des influences qui sont multiples. Il y a vraiment de tout. Alors, c'est une époque où on est. C'est post-68. Hein, moi, je fais toutes mes études secondaires après 68. Et donc, c'est un moment où tous les jeunes ont des idées, sont forts, se disent d'où ils parlent. Donc, se situent tout le temps, politiquement, idéologiquement, tout le monde se situe. Donc, moi, dans ma à Fermat, j'ai autour de moi des gens qui. Il n'y a pas de neutre. Tout le monde a une position, tout le monde a une adhésion et un militantisme pratiquement sur plein de sujets. J'ai des gens d'extrême droite à côté de moi qui sont des amoureux de Dali et qui suivent Barbara. On ne comprend pas trop. Par la suite, je ne comprendrai pas pourquoi, mais bon, peu importe. Qui vont suivre ces personnes dans le monde entier, parce qu'ils ont les moyens de les suivre dans le monde entier. Bon, bref, il y a ça. Et puis après, j'ai des anarchistes espagnols. Là, on n'est plus du tout dans le même jeu. J'ai les jeunesses communistes internationales qui sont présentes aussi. Et donc, moi, je navigue là-dessus. J'avais pas de. Dans le milieu familial, on en parle sans en parler trop. Mes parents ont vécu la guerre, ma mère l'exode, mon père un peu plus âgé. Me parle pas trop de cette époque-là. Je la sens présente, c'est assez lourd hein, au niveau. Mon père est du nord de la France, mais c'est assez lourd, c'est assez pesant, mais on n'en parle pas. Donc du coup, on n'en parle pas non plus. Et c'est là que j'apprends aussi que mon père a divorcé. Donc je suis issu d'un deuxième mariage. Alors c'est assez bizarre parce que là, il faut. L'histoire de mes parents est importante. Mon père vient du nord, de bassin minier, mais sa mère est directrice d'école à l'époque, donc c'est un hussard de la République. Il n'y a pas de religion. Mon grand-père est clerc de notaire. J'apprendrai qu'il était franc-maçon. Et donc, ils ont une position très particulière parce que le reste de la famille est dans les mines. Hein. Quand on est un homme. On descend au trou. Et si on fait pas ça, on n'est pas un homme. Donc, on a une position un peu particulière de cette partie de la famille. À l'époque, ils divorcent, ce qui c'est encore une autre histoire. Et ils partent dans les colonies, puisqu'à l'époque, ce sont les colonies, le Sénégal, c'est les colonies.
Et qu'est-ce qu'on va aller faire chez les Noirs? Vous quittez la famille, vous oubliez tout, etc. Donc là, il y a vraiment une cassure très forte. Et donc, mon vécu au niveau du moment du lycée, de l'adolescence avancée, c'est réellement une singularité par rapport à la famille, par rapport à l'espace, par rapport à la région. Et donc, là, je comprends que je l'avais déjà senti, hein, quand j'étais sur notre premier séjour à Toulouse. J'étais pas de là. Je venais d'Afrique noire. La plupart des Toulousains n'étaient jamais allés à Paris non plus. Donc, complètement, enfin, vraiment perdu là-dessus. Quand je reviens, je viens des Antilles. Alors là, c'est encore une autre aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Mes parents, je ne peux pas non plus dire que je suis du Nord, j'ai aucune attache. Donc là, perdu aussi là-dessus. Donc là, il y a toute une construction à faire. Et donc mon expression, là par contre, au niveau de la création, là, il y a des choses beaucoup plus décisives qui se font. Puis c'est aussi l'époque où je découvre, donc j'ai une production réelle. Importante. C'est les autres caractériseront ça de boulimique. Je suis un producteur permanent. Et là, je ne sais pas trop où je suis, même si j'ai des connaissances un petit peu de tout. Et là, je découvre lors d'un voyage, parce que mes grands-parents de l'autre côté, du côté de ma mère, sont toujours à Paris. Hein, alors, je connais bien Paris. Mes grands-parents habitent le 18e arrondissement. Et mon grand-père me faisait partir au petit matin et sur la butte Montmartre. Mon arrière-grand-père vivait sur la place du Tertre, dans un boui-boui pas possible. Mais donc, je connais cet endroit-là où il y a encore les Fordéales, il y a encore tout ça. Donc, c'est vraiment le milieu ouvrier. Mon grand-père, quand il nous amène le matin, il prend son kilo de, enfin son ballon de rouge et puis il casse un œuf, quoi. Donc, pour moi, Paris, c'est ça. Et donc, moi, je connais cet endroit-là comme ça, au départ. Et donc, il y a cet aspect-là qui est important. Lors d'un séjour, on va à Beaubourg, qui vient de s'ouvrir. Et là, c'est la découverte. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je vois des gens qui fonctionnent, enfin, qui font des choses que je connais, puis que je réalise. Et là, je me dis, bah, ça y est, je ne suis pas tout seul, quoi. Et même si je savais qu'il y avait peu de probabilité que je sois le seul à faire ce que je faisais dans mon petit coin, là, j'ai trouvé une parenté, j'ai trouvé une famille, or des familles, parce qu'en fait, bon, je connaissais le Louvre et tout ça, mais là, je me sentais beaucoup plus proche de ce qui se passait. Et là, ça a été, oui, effectivement, ce que je fais n'est pas, enfin voilà, et peut exister, existe, et puis il y a certainement des parentés avec plein de choses qui existent en France, mais de par le monde aussi. Et là, donc, se pose la question au niveau du lycée, de qu'est-ce qu'on fait à la suite, hein, c'est toujours la même question. Alors, il s'avère que j'ai des facilités dans les sciences. Alors, je suis assez. Bon, ça, c'est un peu bizarre, mais je suis très rigoureux dans l'aspect scientifique. Les protocoles expérimentaux sont vraiment des domaines où je m'investis à fond. Mais d'un autre côté, je me pose toujours des questions. C'est-à-dire que quand je me pose une question, je pousse le bouchon jusqu'au bout. Et ce n'est pas compatible avec, à l'époque en tout cas, avec les mathématiques, avec la physique. Et là, on me propose des grandes écoles. Parce que bon, évidemment, la vie a changé. Et donc, on me propose des grandes écoles. Mais là, je me rends compte que c'est vrai que sur certains aspects, je suis performant, apparemment très performant. Mais pour avoir une poursuite d'études sur les grandes écoles, je correspond pas au, enfin, j'ai pas des capacités assez larges sur les sciences dures.
Les sciences dures, elles affirment des choses et après on nous demande d'appliquer des choses dans les sciences naturelles. On pose des questions et si on n'aboutit pas à la bonne réponse, c'est pas un problème, c'est la démarche qui est importante. Et ça va rester. C'est quelque chose que je vais garder, que je vais garder y compris dans mon activité artistique. C'est-à-dire une rigueur qui ne m'empêche pas de poser, de toujours chercher la question qui est la question d'à côté. Donc le petit pas de côté que j'ai toujours appliqué, ben là, je ne peux plus l'appliquer si je poursuis ces études-là. Du coup, je m'intéresse aux beaux-arts. Et les beaux-arts de Toulouse, à l'époque, pour pouvoir avoir un petit aperçu de ce qui se passait, il n'y avait que des cours du soir. Et là, c'était des cours de dessin. Et donc, je vais voir. Et ces cours de dessin, j'y vais. Et je crois que j'en fais deux. Et je dis, non, c'est pas pour moi. Je ferai jamais. Ils vont me détruire. Ils vont me mettre. Ils fonctionnent pas du tout comme je l'entends. Et donc, ça, je vais pas le faire. C'est important pour moi de continuer à garder mon autonomie et mon pouvoir de créativité. Et donc, là, j'abandonne. Et là, je cherche un autre métier, parce qu'il n'était pas question pour moi de ne pas vivre et de ne pas avoir de revenus financiers. Et là, j'avais côtoyé quand même pas mal d'enseignants, et là, je me suis dit, bah, dans l'enseignement, il y a peut-être des choses à faire. Et là, j'ai recherché, bon, j'avais pas mal de domaines de compétences, et après, mais par contre, j'avais vu ce qu'était la charge de travail. Comme j'étais à l'époque assez sportif aussi, bah, je me suis dit, pourquoi pas un professorat d'éducation physique? Et là, donc, je fais un choix. Je me dis, ce sont des études qui ne vont pas me déplaire. Et c'est une vie qui me laissera du temps et qui me permettra d'avoir une production artistique la plus importante possible. Donc, je fais ce choix et là, je vais vers ça. Je pars à l'université à Toulouse et je fais ce qui à l'époque s'appelait l'UREPS. Et là, j'ai eu une chance terrible, c'est que ce sont des études qui ne sont pas déterminées. C'est-à-dire que se construit le cursus en même temps que ma présence. À l'époque, c'était un DEUG, une licence, une maîtrise. Mais le DEUG n'existe pas. Quand je rentre en première année, c'est la première année du DEUG au niveau national. Donc, tous les contenus sont en train de construire. Et là, je vais assister à quelque chose de très créatif. C'est-à-dire que je vais avoir des tas de sciences qui vont se mêler de l'objet qui est l'homme en mouvement. Et donc là, des sociologues, des psychologues, des médecins, des anthropologues, tout le monde vient voir un petit peu, des philosophes, vient voir un petit peu quel est cet objet, essayer de le déterminer. Donc de grosses bagarres idéologiques. Et donc nous, voilà, je rentre là-dedans. En même temps qu'il y a ça, j'avais pris une décision, c'est l'affirmation de moi en tant que personne avec une place dans la société. J'étais toujours un petit peu en retrait. Et là, je décide de me prendre en main. Et donc tout de suite, je deviens un militant. Je prends place réellement. Je me pose au milieu des amphis, je prends position et je commence à avoir toute une démarche de militantisme, voilà, de prise de parole, d'action. Et là, je vais le garder. Je suis toujours un militant jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, en même temps que se construit tout ça, j'ai une militance. Est-ce que je suis créatif à ce moment-là? Encore plus que, beaucoup plus que jamais. Ma production devient explosive. Je poursuis mes études sans aucun problème, mais je produis artistiquement de plus en plus sur toutes sortes de supports. Je découvre aussi, alors, je pratiquais la danse de salon, mais comme ça, je veux dire, comme dans les booms, etc. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais là, d'un seul coup, je rencontre la danse contemporaine. Et donc là, je rentre en danse contemporaine. En même temps que je rentre en danse contemporaine, je fais aussi des performances.
mais je ne les revendique pas. Ce sont des performances où je me retrouve. Alors, si on connaît un petit peu Toulouse, la place du Capitole, j'utilise la place du Capitole, j'utilise d'autres lieux où là je fais des performances non annoncées sur un temps donné et je disparais. Il n'y a pas de trace. À l'époque, la trace n'avait pas d'importance pour moi. C'était l'éphémère qui comptait. Donc, ça existait et c'était tout. Ça avait pas besoin, il n'y avait pas besoin de plus, en tout cas sur cet aspect-là. Et là, tout ça se construit, continue à s'agglomérer. À la fin de mes études, donc là, je passe tout le côté militantisme, mais c'est quelque chose qui est très important. Je suis responsable au niveau national, or pas au niveau des syndicats, parce que justement, c'était un combat anti. Or, à côté des syndicats, pas contre des syndicats, mais à côté. Donc, manifestation au niveau, organisation de manifestations au niveau de Paris, coordination nationale, etc. Et ça va m'engager par la suite, une fois que je serai professionnel, sur une inscription, un militantisme réel, et là inscrit dans un syndicat. Donc, au moment où je réussis mon CAPES, et là, on nous demande tout de suite où on veut aller. Alors, quelqu'un qui vient du Sud, en général, il va tout de suite dans le Nord. Et là, il n'en était pas question, en tout cas pas choisir le Nord. Et donc, choisir un autre Nord, revenir vers les îles. J'avais vécu aux Antilles, je n'avais pas eu un vécu comment, social très agréable, en tout cas pas un souvenir très, très positif. Donc là, je vais demander dans l'ordre. À l'époque, là, c'était déjà des départements d'outre-mer et des territoires. Donc je demanderai dans l'ordre la Réunion. On m'en avait parlé. Je vais demander les Antilles, parce que bon, je connaissais, pas de problème particulier. Et je demanderai même Saint-Pierre-et-Miquelon, une autre île et une autre ambiance. Et j'avais ça ou deux autres parcours, en fait. En passant mon CAPES, je prends la danse comme une de mes spécialités. Et au moment de du concours, les professeurs de danse qui sont là me disent qu'il y a que je correspond exactement à ce que cherche Alvin Nicolaïs pour sa troupe. Et donc, il cherchait des danseurs, voilà, des danseurs qui n'étaient pas vraiment des danseurs. Je ne trouve plus les mots académiques. Je n'ai pas de formation académique, même si j'ai fait de la danse classique, mais je n'avais pas une formation académique, donc cherche ça. Et là, ils me disent, non, vas-y, tout de suite, tu seras pris. Ils cherchent exactement le profil que tu représentes. Et donc, ils me disent, tu y viens et tu peux avoir une carrière immédiate en danse. Et là, c'est partir pour les États-Unis. Au même moment, j'ai eu la possibilité aussi d'avoir, toujours dans les domaines éducation physique, de rejoindre une équipe de copains qui mettent en place un centre d'activité dans l'Aveyron, où il y a des pratiques artistiques et des pratiques d'activité physique extérieure, kayak, etc., escalade, et qui ont une mentalité. Et eux ont le principe de base, c'est Volem viure al país. Et en fait, donc voilà, j'ai tout ça qui se passe devant moi. Mais bon, j'ai mon CAPES et je réussis à avoir la réunion. Je pars. Alors, toutes ces digressions, c'est aussi une construction. Je veux dire, les idées, des confrontations, le combat, cherche d'autonomie, d'affirmation de soi, tout en étant de plus en plus sûr que je ne sais pas d'où je suis. Et cette discussion et cette recherche, elle est toujours vraie.
et ce qui va m'amener donc à La Réunion. Et là, le métier. Donc là, je vais aller vite, même si je suis. En général, quand je m'engage dans quelque chose, je suis engagé dans les choses. Donc je pense que mon métier, je l'ai fait avec cœur. J'ai fait tout mon parcours d'enseignant, donc mes 40 ans, au même endroit, un seul poste. J'ai jamais voulu bouger, c'est les autres qui bougent. Donc ça, j'ai appris aussi à faire qu'en étant sur place, les choses bougent autour de soi. Et donc ça circule, mais pas forcément. On n'est pas obligé de circuler soi-même pour voir les choses circuler. Et donc j'ai eu une réflexion aussi sur le temps. Alors le temps de ma vie, le temps qui passe, mais le cumul aussi sur l'expérience, sur, voilà, sur les choses qui se passent autour de soi et qui bougent et qui se cumulent. Donc le temps que je passe est aussi un temps de cumul, d'expérience. Et c'est les autres qui bougent. Mais en bougeant, en voyant les autres bouger, je bouge aussi. Comme j'étais militant un petit peu particulier, j'ai refusé l'inspection, donc je suis en marge aussi. Et dans ma pratique aussi, je suis anti-compétition. Je suis contre la compétition. Donc un professeur de PS qui est contre la compétition. Et je soutiens ça. Évidemment, c'est très mal vécu par le milieu. Et c'est très mal vécu par l'inspection, par les autorités. Je suis aussi en marge. Je fais aussi le pas de côté à cet endroit-là. Et ce pas de côté m'amène à des pratiques sur l'expression corporelle, sur la danse. Je suis un homme, je fais faire de la danse dès 1982 dans un milieu qui n'est pas du tout favorable à ce genre de pratique. Je fais de la dynamique de groupe, je m'intéresse aussi à l'éducation sexuelle à l'époque, surtout à La Réunion, beaucoup de filles, de jeunes filles se retrouvent enceintes très jeunes. Et l'éducation sexuelle faite par officielle et faite par les professeurs d'éducation de sciences naturelles à l'époque était plus que sommaire. En général, on s'occupait des fruits et des fleurs, et puis c'était tout. Et je trouvais qu'on était complètement à côté des choses. Et donc là, moi, je vais me former de façon un peu plus spécifique à côté du planning familial pour faire une information réelle sur la sexualité, sur les dangers, sur les protections, etc. Et donc, moi, je vais le mettre en place au sein de mon enseignement. Or là, pareil, la sexualité, c'est un des moteurs, une analyse que j'ai, en tout cas un des moteurs de la vie. Et donc c'est quelque chose qui va rester. En plus, à La Réunion, je vais me retrouver avec une présentation un petit peu particulière, des nouveautés. Je ne connais pas l'Inde, j'ai vécu en Afrique, sur une liberté du corps, sur une liberté de la danse, sur une expressivité. Et là, d'un seul coup, je vais me retrouver avec une population qui est complètement différente, qui a un rapport au corps qui est très différent, avec des pratiques cultuelles et culturelles très différentes de celles que je connais. Et donc là, je suis très, très surpris et très curieux de l'Inde. Je vis dans l'est de la Réunion et là, l'indianité est très, très présente. Et chez mes élèves, chez mes collègues. Et ça va aller jusqu'à rencontrer évidemment une indienne. Voilà, je suis toujours avec ma femme qui est une réunionnaise d'origine indienne. Et donc là, je vais pousser un petit peu sur tout ce qui est culture et culte, même si ma femme n'est pas pratiquante hindouiste de façon très, très poussée. Et puis, en fait, à La Réunion, je suis accueilli par des Chinois, parce que c'était un copain que j'avais connu à la fac. Et là, j'ai aussi la Chine, avec d'autres pratiques culturelles, un autre rapport au corps, une autre histoire.
Et de fil en aiguille, je vais encore rencontrer d'autres communautés, je vais rencontrer des Indiens, mais qui ne sont pas des Indiens hindouistes, mais qui sont des Indiens musulmans. Et là, d'autres pratiques, un autre rapport au corps, une autre histoire. Et là, je vais cheminer un petit peu avec tout le monde. Alors, je vais cheminer avec ma femme en faisant le premier voyage. Alors, je pense qu'elle était très curieuse et moi aussi. Mais là, c'est moi qui l'accompagne. Et on fait notre premier voyage en Inde. On en fera de très nombreux. On en fera 7 au total. C'est pas terminé. Et sur le premier voyage en Inde, l'idée, c'était trouver les racines. Alors, pas les miennes, c'était trouver les racines de ma femme. Et donc, elle est à la recherche de son indianité. Elle en a une. Pour elle, elle vient de l'Inde. Et là, on se confronte, parce que là, c'est une confrontation, c'est vraiment vécu comme ça. Avec un quasi-rejet, parce qu'on va faire un voyage, on va passer 6 semaines. Notre premier voyage en Inde, c'est 6 semaines, sac à dos. Alors, elle voyage dans des conditions un peu particulières, parce qu'une Indienne de La Réunion, elle a vestimentairement les mêmes attributs qu'une Européenne. Elle porte des robes, elle met des jeans, elle se promène avec un blanc, avec un sac à dos sur le dos. On voyage en Inde au plus bas niveau. On ne voyage pas en Inde avec de l'argent, donc on est vraiment au plus bas. Et donc on dort, on mange, on circule comme les basses classes, castes de l'Inde. Et là on s'aperçoit, et au fur et à mesure du voyage, on commence par l'Inde, par Bombay, qui n'est pas la région d'origine de ma femme. Enfin, des ancêtres de ma femme. Ensuite, on va aller vers le sud, donc on va rejoindre Madras. À l'époque, on n'avait pas encore changé, c'était toujours Madras et pas Chennai. Et là, on va dans la région dont sont originaires les ancêtres de ma femme. Et là, rejet. Elle sent l'agressivité permanente de. Elle ne parle pas la langue, les habitudes ne sont pas les mêmes. Elle voyage avec un blanc, elle voyage avec un sac à dos, elle ne s'habille pas comme les autres, elle ne comprend rien. Elle parle un anglais que les Indiens ne comprennent pas. Et là, elle sent que. Bon, elle reconnaît, c'est les mêmes visages, ce sont les mêmes apparences, mais elle s'aperçoit qu'elle n'est pas de là. On va dans les temples, elle a vécu un hindouisme qui n'est pas celui-là. Un temple en Inde, c'est énormément de bruit, une foule énorme. À La Réunion, non. C'est calme. Donc là, elle ne se reconnaît pas. Elle voit qu'il y a eu une cassure importante. On poursuit notre voyage. On va faire tout le sud de l'Inde. On va aller donc au Tamil Nadu, au Kerala, puis on remontera vers Goa, où là, d'un seul coup, à Goa, on retrouve des parentés importantes avec les métissages réunionnais. Donc là, on s'aperçoit que, ah, il y a en Inde quelque chose que même Pondichéry a perdu. Je veux dire, à Pondichéry, on a perdu cette histoire de. On est devenu beaucoup plus indien que ce qu'on croit. Goa, puis après, on fait l'Inde du Nord, et là, elle respire. Elle se régale, moi aussi. Et là, elle respire, et elle s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout d'animosité. On saura sur nos voyages suivants qu'en fait l'Inde du Sud et l'Inde du Nord, ce sont les Indes. En fait, il n'y a pas une Inde, il y a des Indes. Et que quand on est à Calcutta, à Bombay, à Madras, à Trivandrum ou à Agra ou à Delhi, on n'est pas dans le même pays et que ce sont des peuples différents avec des cultures différentes. Et que finalement l'Inde, ça n'existe pas, ce sont les Indes. Et alors que moi, ce que je croyais, c'était que les Indes étaient enfin, un terme employé par les Anglais pour montrer leur supériorité, ben en fait non, c'est une réalité. Au fur et à mesure de nos voyages, on s'apercevra qu'en fait c'est une réalité même pour les Indiens, que les États, c'est vraiment une fédération d'États, c'est une
Les États sont marqués, ils ont des cultures très différentes. Ils ont une. Bon, il y a des proximités, bien évidemment, historiques, etc. Mais ils ont des différences qui sont très importantes. Sur l'architecture, c'est flagrant. Quand on voit les gopurams des temples indiens et avec l'opulence des couleurs sur l'Inde du Sud, et qu'on se retrouve au Taj Mahal ou au Rajasthan, là on se dit, oui effectivement, ils ont des choses très différentes à dire et à montrer, et ils vivent pas du tout la même indianité. Mais enfin bref, moi c'est un choc, et c'est un choc que j'aime bien. Je ne supporte pas l'Inde et je suis immensément attiré par l'Inde. Dans la même journée, je peux être hyper heureux et être en colère, dans une colère énorme. Quelque chose que j'aurais jamais ressenti en Afrique. Je veux dire, j'ai vécu et fait d'autres voyages en Afrique et j'ai jamais ressenti ça. Ces contrastes, je veux dire, sont des gens qui sont. C'est l'altérité qui est vraiment frappante. J'ai senti la véritable altérité avec l'Inde, beaucoup moins qu'en Afrique. Ce qui me fera réfléchir d'ailleurs sur la suite, sur ma revendication d'être un Africain avant tout. Et voilà, cette proximité, elle n'y est pas. C'est une humanité, mais c'est vraiment lointain. Donc là, ça va m'attirer vers d'autres pays vers lesquels je ne suis pas allé encore, mais qui m'attirent très, très très fortement, qui sont la Chine et le Japon. Le Japon pour d'autres raisons, mais des pays qui m'attirent énormément. Je voudrais voir cette autre encore altérité qui est très importante au niveau de l'humanité et que je ne connais pas. J'en rencontrerai d'autres et du coup, ces voyages en Inde vont me construire aussi en me rappelant des choses que j'ai vécues plus jeune, qui sont les couleurs, les goûts, les habitats, les langues. L'Inde m'a fait me souvenir de l'Afrique de façon. Voilà. Quand je suis arrivé en Inde, je me suis posé la question, qui suis-je? Est-ce que je suis un Réunionnais? Est-ce que je suis un Français? Est-ce que je suis un Africain? Je ne me posais pas la question de l'Afrique. Mais en fait, je crois que je regarde l'Inde je dirais presque une préséance de l'Afrique avant même le fait d'être français. On me regarde comme un Français parce que je suis blanc et que je parle français, que j'ai une culture française. Mais je pense que moi, de plus en plus, j'ai un filtre qui est supérieur et qui est celui de l'Afrique. Or, c'est une impression parce qu'en fait, l'Afrique à laquelle j'appartiens, l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas retourné. Je connais l'Afrique maintenant par l'autre côté, qui est plus lointaine finalement. Je connais l'Afrique de l'Est, le Zimbabwe. J'ai appris à aussi par le. Une certaine différence aussi par Madagascar, qui est une particularité aussi africaine, qui s'y rattache tout en étant étrange et étrangère. Et du coup, je pense que je construis et que j'ai construit aussi une Afrique particulière, qui est peut-être pas une réalité, mais c'est pas grave. Parfois, je pense qu'il faut être aussi capable de l'inventer, d'inventer ses racines et d'inventer ses filtres, en avoir conscience ou les construire. Ça amènera à ce que je dirais sur mon boulot actuel. Donc l'Inde, évidemment, j'ai eu des enfants, deux filles, et la question du métissage est importante. C'est-à-dire, ne sachant pas trop d'où je suis, je crois que j'ai construit, consciemment ou non, des enfants qui ont tout à construire aussi, qui ont des multiples origines, qui se croisent,
et qui font qu'elles ont un cheminement qui a encore une particularité. Je les regarde, alors c'est pas moi qui les crée, mais je les accompagne, je les connais du début jusqu'à aujourd'hui, et je regarde leur chemin, et leur chemin est aussi enrichissant que le mien, et c'est une autre altérité. Je le sens de plus en plus, des blessures, des manques, des trous, des questionnements qui font la vie aussi, je veux dire, qui sont pas simples, mais qui font qu'elles cheminent et qu'elles sont aussi des interrogations permanentes sur mon chemin à moi. Sur mes engagements. Je pense que comme tous les humains, il y a une solitude et une recherche de racines. Mais en fait, je m'aperçois de plus en plus que je ne les recherche pas, les racines, j'en ai pas. Elles sont très aériennes. Quand j'étais ado, on me demandait tout, on nous demande toujours de dessiner un arbre, c'est un truc qui revient tout le temps. Alors maintenant, je sais à quoi ça sert. Mais ça m'a pas freiné sur l'envie de faire des arbres. Et je dessinais toujours un arbre. Il y avait une drôle de forme que les enseignants ou les gens autour de moi ne comprenaient pas trop. Et en fait, je sais, moi, mon arbre est inversé, mes racines sont mes branches et mes branches sont mes racines. Et cet arbre, il existe et c'est le baobab. Et c'est un arbre qui a de plus en plus de sens pour moi au niveau du symbole. Et si je vais vers la connaissance un petit peu de ce qu'est un baobab dans la culture sénégalaise, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui ont rapport avec moi. Or, je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, je suis athée, mais la croyance m'intéresse comme tout le reste. Les croyances m'intéressent, quand je dis qu'elle m'intéresse, je suis curieux, elle m'étonne, je n'ai pas de foi, donc je n'aime pas jouer le faux rôle de la croyance. Je n'y crois pas, j'ai aucune sensation d'être supérieur, non. Je ne dirais pas qu'il y a une supériorité de la science, ça n'a pas plus de valeur que le croyant. Mais je n'ai pas de sensation de Dieu ou d'être supérieur. Voilà, c'est pas du tout cette sensation. Par contre, je suis toujours étonné de la croyance des autres et de la foi des autres. Donc, cette histoire du baobab, c'est plutôt un symbole, c'est plutôt voilà ce que j'y vois. Donc, les racines en l'air. C'est peut-être aussi pour prendre l'air voilà, aller attraper l'air. Et le fait d'inverser, de mettre les racines comme un futur, c'est pas une recherche, c'est plutôt une sensation qu'il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce qui est au-dessus ou ce qui est en dessous, pour moi, communique de la même manière. Et je pense que le baobab, il a bien cette sensation-là. Voilà, on peut le retourner dans tous les sens, il n'a pas de prise réelle. Pas de prise réelle. Alors, je connais bien l'histoire des griots, qui sont aussi des gens rejetés, qui sont des porteurs de parole, et qu'une fois qu'ils ont terminé leur vie ici-bas, on enferme dans le baobab, histoire qui ne nous intéresse pas, enfin, qui ne se mêlent pas trop de la vie de tout le monde, et qui restent dans leur histoire de racines et de branches, mais. Voilà, qu'on met aussi d'à côté. Et ça revient à une notion qui est assez, que je retrouve, c'est l'île.
Être d'une île, qu'est-ce que ça veut dire être un ilien? Qu'est-ce qu'être une île? Et donc là aussi, c'est je suis peut-être une île, comme je pense tous les êtres sont des îles. Alors, de temps en temps, les autres, ce que je vois, se rattachent et donc ne veulent pas être une île, et se rattachent aux autres, se rattachent à une terre pour la partager. Et donc, en fait, ce sont des amas d'îles et construisent leur monde à partir de là, qui peut être petit, mais qui va être très grand. Donc, la Réunion est une île, mais à l'intérieur de la Réunion, il y a aussi des îles. Et puis la Réunion se réunit avec d'autres îles parce qu'il y a des proximités avec des îles plus ou moins grandes. Autour de la Réunion, il y a une très grande île, mais dont on ne perçoit pas tant que ça, alors qu'il y a beaucoup de Malgaches qui sont à la Réunion. C'est une des origines principales des Réunionnais. Mais pour un Réunionnais, ce n'est pas une réalité tangible. Pour certains, oui, mais ce n'est pas partagé. On est plutôt une île, on se resserre là-dessus. Avec ma femme, je me suis aperçu qu'elle se rattachait à l'Inde, mais maintenant, si on lui posait la question, je suis sûr qu'en un, elle dirait je suis réunionnaise, c'est mon île. J'ai des origines indiennes, donc une racine, mais je ne suis pas indienne, je suis réunionnaise, d'origine indienne. Quelle est sa relation avec l'Afrique, avec Mada? Je dirais aucune. Aucune. Quand moi je vais dire je suis africain, et en étant à La Réunion je suis africain, c'est quelque chose qui est peu partagé à La Réunion. Ce n'est pas une sensation. Même quelqu'un, un CAF, quelqu'un qui ethniquement, dont les ancêtres viennent de l'Afrique, ne va pas se reconnaître spontanément comme africain. Il va peut-être se situer comme un peu malgache, un peu mozambicain. Oui, ça, il va le dire. Mais de là à dire qu'il est africain, non, il ne fera pas le pas. Il va revenir sur son île. Il va se réaccrocher à autre chose. Moi, mes îles, elles se réunissent. C'est-à-dire que dans mes voyages, je suis allé sur la plus grande île, je suis allé voir l'Australie. Et là, je me suis aperçu que c'était complètement, oh là là, un autre monde fou. Un monde de blancs, parce que ce qu'on voit, ce sont des blancs, et dans un pays où il n'y a que des Iliens. Mais ils ne sont pas là, ils sont secrets, il faut aller les chercher, ils sont cachés, on les a détruits, on les a niés, et eux existent, malgré tout ce qui s'est passé, les aborigènes sont toujours là. Et moi, j'ai senti leur présence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je dis les aborigènes, ce n'est pas un peuple, c'est plein de peuples avec plein de territoires. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a aussi été des îles. Et que sur cette grande île d'Australie, il y avait plein d'îlots, plein, 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 plein d'îlots, avec des territoires très précis, avec un attachement à la terre, mais comme je n'avais jamais vu ailleurs. Encore plus fort, en tout cas dans la sensation, dans la prise du territoire réel. Là, j'ai senti, voilà, le territoire et moi, enfin, et eux plutôt, moi je n'étais qu'un étranger, c'était une osmose, c'est la même chose. Je suis un crocodile, je suis un arbre, je suis un rocher, je suis la butte, je suis l'eau qui coule. Et voilà, et là j'ai senti. Alors que leur contact est vraiment impossible. Enfin, pour un étranger, c'est quasiment impossible. On perçoit. Et donc là, j'ai eu un regard sur le monde où je me suis dit, enfin, je me suis dit, j'ai senti que tous les lieux où j'avais vécu étaient des îles que j'arrivais à amasser ou pas, à relier ou pas. Et en fait, c'est toute l'histoire de ma vie. Je suis un immigré permanent. J'ai pas de terre. Si je suis au Sénégal, je suis un blanc. L'Africain est, avec mes rencontres avec d'autres artistes, eux vont reconnaître mes racines, ce qui est très étrange. Vont pas me dire que j'étais un étranger au Sénégal. Je suis né à Saint-Louis et ma terre, mon origine est le lieu de ma naissance. Ma terre est là.
peu importe ma couleur, peu importe mon histoire, peu importe mon circuit, peu importe ce qui va se passer après. Et ça m'a conforté dans l'idée de, oui, je suis un Africain, je le revendique, je m'aperçois après coup, et les autres aussi, avec une lecture de mon travail, me le disent, que j'ai énormément de proximité avec avec cette terre-là, même si dans mon discours et dans mon apparence, je n'apparais pas comme les gens qui sont restés sur le terrain. Et donc après, toute mon histoire, ça va être d'être une immigrée, de jamais être reconnue comme étant du lieu. Et toute la discussion, je relisais là, il y a peu de temps un ouvrage de Toby Nathan et qui voit justement dans les difficultés de nos psychiatries, la difficulté de tous les migrants de par le monde, de vivre et de s'inscrire et de garder des chemins et voilà, de continuer à vivre dans une société. C'est aussi de savoir quels sont les chemins et où on est passé, d'où on vient. Alors moi, j'en fais pas une obsession. Je sais que je viens de là et d'ailleurs, que mes origines, elles sont croisées. Mais en fait, j'en fais toute une histoire et je pense que c'est ça l'histoire d'une vie. Et ça ne m'est pas particulier. Je pense que toutes les histoires de vie sont ces histoires-là, qu'on est toujours des émigrés, qu'on circule. On peut circuler dans sa tête, on peut circuler mécaniquement, mais qu'en fait, c'est cette circulation qui fait qu'on se construit. Et à partir de là, je regarde, j'ai essayé de voir si j'étais capable de, si dans ma production artistique, il y avait ça ou pas. Et dans ma production artistique, il y a quelque chose qui revient tout le temps, ce sont les médiums. Je n'en ai pas, ou j'en ai plein, ou tout est médium. Donc j'ai pas de. Je suis pas un peintre, je ne suis pas un photographe, je ne suis pas un. Je fais pas de la couture, je fais pas du modelage. Je fais tout ça. Tout est possible. Il n'y a pas de médium à choisir. Ils existent et je les utilise. Et donc, ça déjà, c'est un métissage. C'est une créolisation. Je pense. Je l'ai toujours fait, je le fais encore, mais ces derniers temps, enfin, une vingtaine d'années, je pense que ça apparaît de plus en plus dans mon travail. Ça apparaît. Et là, ça a été plus évident parce que les autres ont sorti ça de mon travail. D'autres artistes ont utilisé, ont senti ça dans mon travail, l'ont sorti pour eux l'utiliser comme une créolité, comme un métissage. Alors, créolité et métissage sont deux choses différentes hein, dans ma tête aussi. Hein. Le métissage, ce sont mes enfants. La créolité, c'est plus moi. Et donc là, j'ai construit. Et quand je. En fait, les seuls freins sur sur ma création sont ma capacité à gérer et à utiliser les médiums. Je ne sais pas bien utiliser une caméra. Or, peut-être parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps pour l'apprendre, capable d'apprendre. Mais quand je le fais, je ne manie pas de façon. Je ne prends pas forcément du plaisir à le faire. Et ça, c'est aussi un de mes moteurs. C'est-à-dire, à partir du moment où je n'ai pas une empathie réelle avec le médium, bah, je vais faire comme beaucoup, je vais patauger, je vais prendre plein de directions et qui ne vont pas forcément me convaincre de leur efficacité ou de leur validité plutôt que leur efficacité. Du coup, j'abandonne.
Autre particularité, c'est que je ne jette rien. Ce qui fait que je cumule. Je cumule dans ma création, mais je cumule mes créations. Alors ça, c'est un principe que j'ai pris au départ. Je me suis toujours dit, si tu l'as fait, c'est que ça avait du sens. Mais c'est peut-être pas évident aujourd'hui, ce sera peut-être pas évident demain, mais peut-être qu'après-demain ou plus tard encore, ça prendra un sens et que d'un seul coup, ça pourrait être un moteur aussi. Tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on fait, ça nous construit et donc il n'y a pas de raison de le jeter. Et du coup aussi, je vais utiliser ce que moi je rejette pour me construire à partir de ça, mais je vais aussi utiliser, puisque je ne suis pas seul dans le monde, et que les autres m'intéressent. Et donc je vais utiliser aussi ce que les autres rejettent. Donc je capte. Alors je ne vole pas, mais tout ce qui est autour de moi m'appartient. Donc je prends. Et en général, ce qu'on peut prendre sans ni demander la permission, ni engager autre chose, c'est tout ce que les autres jettent va m'intéresser. Donc je vais prendre. Quelque chose qu'on a mis dans une poubelle, je prends. Tu l'as jeté, je sais ce que tu as mis dedans, moi j'y mets de l'importance, j'y mets du sens, donc je vais prendre ça. Donc les objets qui sont porteurs de sens, qui l'ont été, prennent du sens pour moi. Alors là, on est à la limite du fétichisme. Mais comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de notion de pouvoir extérieur, de Dieu, tout ça. Donc moi, je vais y mettre du sens. Du poids dans le sens, mais pas forcément du pouvoir sur l'autre. Donc je m'accapare pas un pouvoir. Prendre tes restes ne me donne pas du pouvoir, je cherche pas, et ne me donne pas du pouvoir sur toi. Voilà, c'est un peu en contradiction avec l'Afrique, qui fait que là, oui, je suis un féticheur. C'est pas un problème. Je le dis, et dans ces cas-là, je le dis pour pas qu'il y ait de confusion et qu'il n'y ait pas de porte-à-faux par rapport aux croyances. Alors, en plus, je me moque pas des religions, je me moque pas des croyances. C'est un respect réel. Je ne veux pas avoir d'interférence, je ne veux pas blesser les gens. Ça ne veut pas dire que je ne le fasse pas. Je peux blesser sans le faire exprès, mais si j'en suis conscient, je ne le fais pas. C'est pour ça que je suis anti-compétition. C'est un rejet. Quand je dis que je suis anti-compétition, c'est vrai à tout niveau. J'ai refusé la compétition dès ma deuxième année de formation en tant que professeur de sport. Et le sport, c'est la compétition. Donc non. Et c'est un rejet conscient et fort. Je considère que quand on est en compétition, il y a un qui gagne, un qui perd, donc je ne joue pas non plus. Et que quand quelqu'un perd, il est blessé. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Une fois que quelqu'un est blessé, il garde la blessure. On peut dire qu'on efface, mais on n'efface rien, on cumule, on cache. Et ça, c'est mon travail d'aujourd'hui. Ce sont mes filets. En fait, le filet, il part au départ d'une idée simple, c'est... Je suis un maillon, je suis une île et je me relie aux autres. Et quand je me relie aux autres, j'écarte mes bras, j'écarte mes pieds et je deviens un maillon. Et ce maillon, il n'existe que s'il y en a un autre qui se colle à moi, si je peux prendre sa main, si mon pied touche son pied. Et puis on peut continuer au-dessus, en dessous, autour de moi, dans tout l'espace. Et en faisant ça, je suis un filet. Bien sûr que ces liens, ils n'ont peut-être pas de poids. Au fur et à mesure, ils peuvent en avoir. Ils peuvent être créés, peuvent se défaire. Mais au fur et à mesure, le filet se fait. Et donc, c'est un filet d'hommes. Ce sont des relations entre les îles, entre les humains. Et à partir de là, j'ai produit. Ça fait 10 ans que je travaille dessus. C'est mon dernier travail. Au début, je ne comprenais pas, je faisais. Alors, c'est important pour moi de faire. Alors, ça a aussi un aspect très, je dirais très, on met bien les guillemets, féticheur. Je réalise, je
Je relie les choses aux autres. Je suis celui qui fait. Est-ce que ça veut dire que l'autre ne peut pas faire? Non, pas du tout. Au contraire. S'il fait, qu'il rejoint mon espace, je le prends en tant que tel. Et dès que le lien est fait, un lien, c'est quelque chose qui appartient aux deux. C'est pas quelque chose que je garde, c'est quelque chose qu'on partage. Donc la production qui va être là, c'est la production en commun. Et si je multiplie mes connexions, je continue à être auteur, mais co-auteur de tout ce que je vais créer. Dans ma manière de fonctionner avec les autres artistes ou avec d'autres personnes, c'est ce que je vais essayer de créer. Est-ce que ça m'empêche d'être une île? Non, jamais. La solitude, elle revient tout le temps, elle est tout le temps là, c'est toujours. C'est quelque chose qui est pesant. Je le sentais moins, j'ai toujours eu la sensation de la mort depuis que je suis petit, ado, encore plus. Mais maintenant, c'est de la mort avec les choses qui se cumulent, les choses qui s'ajoutent, qui surajoutent, comme une peau qu'on rajoute à l'autre, qu'on continue à ajouter. Voilà. Et rien ne s'oublie, en fait. C'est pour ça aussi que je ne jette pas tout ce. Voilà. Et tous ces liens vont faire que. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Pourquoi ces liens, à quoi ils servent? Et cette image du filet, ça veut dire quoi? Et là, ce sont tous mes questionnements. Je me cache derrière des filets, je me cache derrière les religions, je me mets en avant sur les religions. Pourquoi elles me font peur? Pourquoi elles m'intéressent? Qu'est-ce que c'est que relier des choses les unes aux autres? Qu'est-ce que je relie? Qu'est-ce que je construis? Pourquoi je le construis? Est-ce que la forme a de l'importance? Est-ce que l'architecture de tout ça, ça a de l'importance? Est-ce que c'est moi qui détermine la forme, l'objet, ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a dessus, le sens de la forme? Et en fait, ce sont toutes les interrogations que j'ai. Et je vais essayer d'utiliser tous les médiums avec. Deux médiums que je ne maîtrise pas vraiment. La parole est importante, mais elle ne me suffit pas. L'objet est important. J'ai besoin du support de l'objet. Là aussi, on revient, le fétiche. Ça m'embête. Je suis très, très, très embêté avec cette histoire-là. Parce que j'ai toujours mis beaucoup d'importance dans l'objet. Dans la construction, donc dans ce qui reste. Donc ça c'est une problématique. Et puis, donc là, il va y avoir un problème sur la parole, qui est porteuse de sens, porteuse de lien, mais qui s'envole, sauf si on l'enregistre. Donc le support m'intéresse. Là, voilà, là, il y a. Voilà, dans tout ça, il y a ça. Mais comment le mettre en forme et que ça corresponde à ce que j'ai envie de faire, c'est un espace qui m'intéresse. Je ne maîtrise pas. Je ne sais pas le faire pour l'instant. C'est pas quelque chose que je ne. Voilà, j'ai eu du mal à le garder. Donc, autre domaine de recherche. Et puis après, l'écriture. Mais le problème de l'écriture, pour moi, c'est que je ne. J'ai un problème entre le sens et la forme. Je suis sensible à la poésie et j'ai toujours peur de l'efficacité des mots. Parce que pour moi, quand on écrit, ou en tout cas quand j'écris, j'ai toujours peur de la blessure. J'ai peur en écrivant d'être. De ne pas avoir la capacité de mettre un filtre, un filet suffisant pour que certaines paroles ne soient pas blessantes. Quand je dis blessante, ça ne veut pas dire dérangeante. Dérangeante ne me pose pas de problème. Le pas de côté, c'est quelque chose qui. Être un analyseur au sens psycho, enfin,
dynamique de groupe, ça ne me pose pas de problème. C'est quelque chose que je fais, que je sais manier, que j'ai appris à manier, au niveau syndical, au niveau enseignement. Voilà, ça, je sais le faire. Je sais quand je le fais. Et je le fais sciemment. Je le fais quand je fais certaines œuvres. Voilà, je sais ce que je suis en train de faire. Mais dans l'écriture, j'ai toujours peur que les mots soient pris comme, enfin, reçus comme des blessures. Ça ne me gêne pas d'être blessé en lisant quelqu'un d'autre, ça me gênerait de blesser à travers ce que moi j'écris. Du coup, j'ai tendance à écrire avec, en partant vers la poésie, voilà, en faisant de la palabre. J'aime bien ce mot. J'aime la palabre. J'aime les mots, la forme des mots. J'aime bien jouer avec tout ça. Mais la palabre, elle s'échappe. Ça va être que le souvenir de la palabre. Quand on écrit, la palabre, elle n'est plus là. La palabre, elle est sur la forme. Mais le sens, il reste. Et le sens, il peut être complètement, en tout cas pour moi, il peut être trop violent dans le premier abord. On pourrait me dire que quand je fais une œuvre d'art, c'est la même chose. Le sens peut être violent. Je pense que j'ai réussi. Je pense qu'il y a un filet sur l'art en général, et que ce filet protège les artistes de leur cruauté, de la violence de ce qu'ils ont à dire et à ce qu'ils vivent. Ils mettent en forme, et que cette forme permet de pas forcément de cacher, parce que ça peut aussi révéler, mais permet de mettre une distance. Et que cette distance, ce qui ne crée pas, en tout cas ceux qui sont confrontés à des œuvres, acceptent ces filtres, ou n'acceptent pas, hein, pourrait très bien dire, moi j'en ai rien à faire de votre histoire d'art contemporain, je comprends rien, c'est nul, je sais faire, tout le monde peut faire ça, etc. Mais ils mettent leur filtre, mais ils sont d'accord pour le mettre là. Je ne sais pas s'ils sont d'accord pour le mettre sur les mots. Trop humain et trop partagé. Cette exception de l'artiste, elle fait que. Voilà, un petit peu ce filtre. Et moi, ces filtres, tous ces filets qui existent, sont les mêmes qu'avec la religion. On dit pas les choses nettement avec la religion. Il y a un voile, des voiles d'interdit, des voiles d'initiation. Mais tout le monde est d'accord pour se dire, oui, il faut être initié, il faut connaître. Et là, on l'accepte. Et donc, en fait, d'être artiste, moi, ça me permet de cacher, souvent, de dire en cachant, de me cacher, et peut-être aussi de montrer, de révéler, de dire, vous pouvez rentrer dedans. D'où certaines pièces où que j'ai créé, qui existe depuis très très longtemps, mais que j'arrive pas à proposer aux autres. Je l'ai fait sur certains biais, mais pas, ça ne me convainc pas encore. Ou l'œuvre que j'ai réalisée, l'objet, quand je dis l'œuvre, souvent pour moi, ça existe, hein, c'est une présence. Et où l'œuvre va bouger en fonction de celui qui va se l'accaparer. Et il va bouger au niveau physiquement. Je veux dire, vous allez pouvoir manipuler l'objet. Alors, pas seulement choisir l'endroit où vous allez la mettre, mais la modifier même dans sa présence. C'est-à-dire, vous allez pouvoir modifier ce filet. Beaucoup dans mes œuvres actuelles, enfin, mon travail actuel sur les filets, il y en a, il me dit, mais on a envie de voir comment ils vont être installés. Je le dis parfois, je ne le dis pas tout le temps parce que c'est redondant et c'est pas forcément reçu de façon pleine. C'est non, comment vous allez vous la prendre et comment vous allez la mettre en scène? Comment vous allez vous approprier cette œuvre? C'est-à-dire, je fais du tricot dans les œuvres, dans mes filets actuels, je fais du tricot, mais je fais du tricot qui peut faire 10 mètres sur 8. Mais 10 mètres sur 8, ça veut dire quoi pour un tricot?
Mon tricot, si vous voulez le voir, il est dans un sachet plastique ou un sachet en papier kraft. Donc il a déjà une forme. Maintenant, il fait 10 mètres sur 8. Si vous tirez dessus et un tricot, vous le tirez comment? Vous l'étirez, vous lui laissez une forme, vous la laissez neutre. C'est jamais neutre. Vous la posez par terre, c'est pas neutre. Vous la suspendez, c'est pas neutre. À quel endroit vous la suspendez? Vous allez voir que ben, vous la suspendez avec un point, deux points, trois points, quatre points. Et c'est plus du tout la même chose. Vous la mettez au mur, pourquoi pas? Et en fait, il y a autant d'œuvres que d'interventions qu'il va y avoir sur l'objet. Et donc ces pièces-là, et ça va être vrai sur le tricot, mais ça peut être vrai. J'ai beaucoup de pièces qui sont des jeux. Des jeux. Il faut manipuler. Il faut bouger des l'objet sont des pièces, il va y avoir des dessins, des petits personnages ou des petits objets qu'on va falloir placer, ou alors plein de petits cartons Bristol qui sont dessinés, peints, mais que vous pouvez arranger. Et votre manière d'arranger va déterminer le résultat. Est-ce que vous allez les ranger par couleur, ne mettre du hasard, mettre une forme que vous retrouvez, les raccorder parce qu'il y a des petits bouts qui se raccordent, les ranger dans un cadre, les mettre sous cadre, ne pas les mettre sous cadre, les poser au sol, les suspendre, voilà. Et là, tout ça m'importe. D'autant, quand je dis ça, j'aime bien dans mes expositions qu'on ne regarde pas que les murs. J'aime bien qu'on fasse attention au sol, à ce qu'il y a autour de soi, à lever les yeux. Et pour moi, les œuvres d'art, elles doivent être. Pour moi, hein, je ne généralise pas, ce n'est pas toutes les œuvres d'art, ce sont mes œuvres d'art. Elles doivent pouvoir être comme un paysage, comme une architecture. Elles peuvent être partout. Et elles prennent un sens là où elles sont, en fonction de ce qu'on a envie, ce que j'ai eu envie, si on m'a laissé le choix de le faire, ou en fonction du choix de celui qui met en scène, elles prennent le sens que les gens ont envie de mettre. Et donc il y a des œuvres qui vont être marquées et d'autres qui ne vont pas l'être. Et je vais jouer avec toutes les possibilités. Non, ça, tu peux pas le bouger. Oui, là, tu peux déplacer. Oui, tu peux changer son sens. Attention, on ne le voit que d'un côté ou il y a quelque chose derrière. Donc non, tu es obligé d'aller là si tu veux tout voir. Mais tu ne veux pas tout voir, tu ne veux pas montrer ce qu'il y a derrière. Pas de problème. Tu veux faire un choix? Fais un choix. Tu ne veux pas faire le choix et tu veux interdire la vision de ça, te la garder comme un secret ou et montrer qu'un côté, ou donner l'accès à certains de ce qu'il y a derrière, ou pas. Et en fait, là, c'est les mêmes chemins. Là, je refais l'histoire de l'art. Hein. Je veux dire, certaines œuvres étaient dans le cabinet secret. On ne montrait pas tout à tout le monde. Il y avait les initiés qui avaient le droit à certaines œuvres. L'icône, elle est extérieure, mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces icônes qui se passent derrière le mur où les prêtres orthodoxes ont accès et auxquels je n'ai pas le droit d'aller? Voilà. Quand je vais voir dans un temple hindouiste, je n'ai pas le droit au Shivalingam en Inde. Les pièces sont interdites. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça, je te le montre et ça, je ne te le montre pas. Il y a des œuvres là, et il y a des choses qu'on montre et on ne montre pas. Et puis après, il y a toutes les manipulations. Donc ça, c'est. Et quand je parle de ça, tout rentre, les couleurs. J'ai fait des expositions avec du son. Je m'anime mal, je trouve que ça vient parce qu'aujourd'hui, on peut faire du son et c'est à la portée, je peux aller dans un magasin, acheter du matériel, enregistrer des sons, les mettre et les diffuser. Voilà, ça, c'est faisable. Avant, c'était compliqué, mettre un magnétocassette,
faisait pas. Donc ça, c'est des outils qui deviennent très très intéressants. L'image animée, très intéressant. Il y a plein de choses là qui sont en train d'arriver. La photo devient un objet, un outil intéressant aussi, à la portée de tout le monde. Et la lecture commence à se faire, même si c'est pas la lecture savante, c'est une lecture de l'image autre, peut-être une lecture rapide, etc. Donc on a des tas d'outils qui sont en train de faire des liens et qu'il va falloir, enfin, qu'on peut utiliser. Le bilan de tout ça, c'est qu'il n'y en a pas, que les choses se cumulent, que j'essaye de le faire, ça. Par contre, je le montre, j'en fais, je fais des cumuls. Temps en temps, je m'arrête et je fais une île. Les îles, ce sont des prétextes au voyage. Mais c'est des îles personnelles, ce ne sont pas forcément des îles physiques. Que les voyages, on peut les faire dans sa tête et qu'on peut les faire aussi en bougeant. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? C'est de pouvoir aller voir d'autres îles plus loin. Parce que même si on est curieux, la surprise, il est parfois difficile de la créer. Quand j'écoute de la musique, j'écoute beaucoup de musique. J'attends qu'il y ait des soldes, que le CD soit à 1 euro, et j'achète 200 disques. Et j'écoute tout. Il y a plein de choses que je vais aimer, des choses que je vais pas aimer, des choses que j'aime aujourd'hui que je n'aimerai pas demain, des choses que j'ai écoutées qui m'ont pas plu mais qui me plairont peut-être demain. Et donc je vais pas faire ma playlist. Ma playlist, c'est que des choses que j'aime. Donc c'est mon confort. Je vais toujours essayer d'aller chercher l'inconfort. C'est ça, c'est ma curiosité, c'est ce dont j'ai envie. En tant que militant, je me suis jamais battu pour mon métier. Je me suis toujours battu sur les métiers des autres. Je n'ai jamais été un militant de mon métier. Je décale toujours. Et donc, ce que j'essaye toujours, c'est de voir si le petit pas d'à côté, le petit mot d'à côté, le petit geste d'à côté, la petite matière d'à côté, va provoquer quelque chose. En tout cas, ça me provoque au niveau de ma pensée et ça a provoqué dans ma création. J'ai lu un très beau livre sur la conception japonaise. J'ai plus les références, mais superbe. Et le japonais essayait d'expliquer aux occidentaux quelle était la différence entre la recherche esthétique japonaise, contemporaine, mais qui a de l'histoire quand même. Il disait, un occidental, quand il cherche la beauté extrême, il va chercher la pureté et il va chercher le diamant pur, sans aucune faille, sans aucun élément à l'intérieur. Le japonais, il va chercher le diamant parfait avec une inclusion parfaite. Il va chercher la chose extraordinaire, l'originalité extraordinaire dans la pierre qui est là. Et ça, c'est une image qui me foudroie, parce que oui, c'est ce pas de côté que je trouve extraordinaire. Je veux voir, je veux aller au Japon, je veux voir, mais je veux pas voir le Japon comme ça. Je voudrais pouvoir m'asseoir, regarder et essayer de comprendre. Et c'est la présence du Japon dans mon univers mental et je dirais presque dans mes émotions, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Pourtant, j'ai aucun contact physique. Mais ça me fascine. Donc ça, oui. Et je trouve, ça me fascine autant que le parfum du boubou et les couleurs du boubou de ma nounou quand j'étais au Sénégal. Voilà, toc, là, je fais le choc des cultures, la pureté avec le petit truc qui fait l'extraordinaire et la plénitude des odeurs et des couleurs et des sons qu'il y a en Afrique. Voilà.
mon voyage.